كون وي كون متي غدي تواليني ديت بوساكي اونيني ازول مرة في اللون سلفر فرح دم قرانا دم لي دوان اتي تلت النظ نملا لد ماس حمدي بناني ماس حمدي بناني ازول في اللايك ازول كتشيني غيقلولن دوك سكواس 1943 يديكرن دي تغيوانت الاربع نثيرة ذا شو يكي جان يمين يتروحوض الساقين تتدير ضيث مورثنا Alors, je m'excuse, je vais parler un petit peu en français. <coughs> Le kabil, je vais l'apprendre, ça c'est sûr. Alors, donc, on parle des origines. Donc, euh, mon grand-père, Benani Sherif Ben Mansour, originaire de l'Arba'natiratn, du village Saurit à Mokaran, a émigré à Hanaba. À l'époque, c'était bonne, bonne la coquette. Qu'on appelait le petit Khan. Donc, euh, il est venu, et la plupart des Kabyles qui ont émigré à Naba, ex-Bonne, ont habité, ils ont créé un lobby, un lobby, Kabyle de Bjaïa, de Tizi Ouzou, de, de toute la Kabylie, qui s'appelle les Beni Mhafer. C'est connu. Ma grand-mère, donc, est venue avec lui, avec sa femme. Et il était gendarme. Il était gendarme euh, dans l'armée française à l'époque. Il était décoré par le président Vincent Auriol de la Légion d'honneur à l'époque aussi. Ça prouve que les Algériens se sont battus pour la France avant. Alors, euh, je crois que... La France reconnaît que les Algériens ont combattu, il y a beaucoup qui sont morts. À dit entre parenthèses. Allez. Donc, voilà, mon père est né à Annaba. Il s'est marié avec une Bonoise, ma mère, qui est d'origine Bonoise, pure Bonoise, à Annabia, et né Hamdi Ben Je suis né donc. Euh, à annaba c'était la deuxième guerre mondiale au moment où je suis né un avion un bombardier italien il venait bombarder les l'escadre les, les, les française et anglaise qui était à annaba au port de annaba et il était pris par la dca bien entendu pour se sauver pour mieux se tailler comme on dit chez nous il a largué deux bombes une bombe est tombée sur la place d'armes la plupart des gens sont morts. Et la deuxième est tombée là, à côté de la maison où je suis né. Elle n'a pas explosé. Grâce à Dieu, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, 13 ans après, j'ai vu le cratère qu'elle avait fait à côté de la maison. وما عندناش شي اللي نلاص ليك مثيره فور ناسيونال فدارت انت وريرت مقران ترجو را كافيكال اشحال ايام قمي ترزي دار فدارت انت وريرت مقران نغار تغيوان الاربع نثيرات جو سي جالي الاربع نثيرات سافي با لونتون ابري 63 ان دو كاريير جامي لوكازيون دالي شونتي جالي ابويرا مي ا تيزي وزو Jamais. Je suis allé il y a quelque temps, il y a, je crois, si ma mé mémoire ne me fait pas défaut, euh, ça, fait, ça fait cinq ans à peu près. On m'a invité là-bas, à Tizouzou, je suis allé et puis ils ont fait de la publicité. Tu sais, je suis arrivé là-bas, j'étais accueilli comme un président de la république. J'étais un peu gêné. Ils ont, c'était la Maison de la Culture, à Tizouzou. La salle était comble. Et puis j'avais ramené mon violon, blanc. Et on m'a demandé de chanter. Alors ils ont ramené de, trois musiciens, des Kabyles de, de, de là-bas, de, de Broncho, Mondol ou d'El Boca. Et j'ai chanté. Et là, tout d'un coup, il y avait des applaudissements, c'était... On sentait les, 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 ce public qui m'attendait. Hein. Je suis allé seul, sans orchestre. Hein. Mais c'était vraiment émouvant. Et puis il y a quelqu'un qui se lève de la, du fond de la salle. Venani, cousin. Je regardais comme ça. Il vient avec sa femme. Et alors, là, voilà, il se tourne vers le... Venani. C'est la famille, c'est mon cousin, et tu es chez toi ici. Et puis la salle qui explosait comme ça. Ah, j'avais la chair de poule, hein. vraiment. C'était, c'était émouvant. Hein. Et alors j'ai chanté, j'ai chanté même en français là-bas. Je vais Vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je chantais en français. En 1959, j'avais chanté dans un radio crochet à Annaba et j'ai eu le premier prix. Chanté une chanson. Je suis insentimental. Un C'est une chanson d'Eddie Constantin à l'époque. C'était notre temps, bien entendu. J'ai eu le premier prix. Je chantais Badalida, Les oeufs battus, La mine triste et les joublèmes, tout ça, tout ça. Donc, moi, je chante aussi en français. Moi, moi je suis euh, cosmopolite, comme on dit. Hein. Bon. Donc, après, on m'a fait un pèlerinage à l'Albanatierat. Je suis allé à Alors, je, je me rappelle, ça montait comme ça. Il y avait de la brume, il faisait un peu froid. Alors, arrivé au village, je vois une femme qui avait 95 peut-être. Je lui dis Arrête. Elle, elle avait un seau de. Euh, un, une, comment une gargoulette sur la tête. Elle, elle, elle ramenait de l'eau. Oui. Je me dis Alors, venez, tu sais, cette femme, quel âge elle a Elle la connaissait, le, le bonhomme. Combien pas, Moi, 45. Quoi Il m'a dit, elle a 95 ans. J'ai dit, quoi Elle était rose, on dirait on durait une poupée. Bon, je suis allé, je trouvais le maire, le maire qui s'appelait Benani à l'époque. Et la télévision, ils m'ont filmé là-bas, ils ont fait un petit, un petit reportage sur non. moi. Donc voilà, je. Et on m'avait promis de faire un concert à Tizi Ouzou. Alors, alors, je m'adresse maintenant. Aux gens de la culture de Tizi Ouzou. Moi, je suis prêt à venir, mais j'attends votre invitation. Je suis là pour faire un grand concert, chanter dans le monde entier. J'ai eu des prix dans le monde entier, j'ai représenté l'Algérie de partout, et je ne chante pas Tizi Ouzou. C'est un crime, ça. Bon, j'espère qu'ils vont nous entendre. Alors, euh, la balle est dans votre camp. Le message est passé. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à chanter en 56. D'abord mon oncle, le frère de mon père, qui était un grand musicien, il jouait de la flûte, il jouait de l'autre, il jouait le violon, jouait le piano, jouait de la boka. C'est le frère de mon père. Et il était dans un grand orchestre à Mohamed El qui est un très grand un pianiste, un très grand chirurgien. Donc, moi, c'est de famille en famille. Mon père est artiste peintre aussi, un grand artiste peintre, qui a fait des tableaux à Paris, tout ça. Il a fait Le prince Lagacan, un, un portrait de la, que j'ai retrouvé en Union soviétique, au musée de, de l'Union soviétique, Benani Mostafa. Et maintenant, il y a Benani et Benani Hamdi, parce que moi, j'ai eu le prix d'excellence de la chanson pour la paix en Union soviétique à Saint-Marcand en dans 1984. Voilà. Nous les Algériens, nous sommes des enfants terribles, je crois. Alors, donc, voilà comment j'ai commencé à chanter. Et puis, euh, c'était de famille, c'était de famille. Et là, j'ai percé l'indépendance de l'Algérie. J'ai fait un orchestre. J'ai chanté dans tous les festivals. J'ai représenté l'Algérie dans le monde. J'ai chanté pour 62 chefs d'État. J'ai été décoré dernièrement par le président de la République, euh, de l'UICM. Je, je vais vous donner un scoop. Et un scoop, oui, oui, un scoop. Sur TQ5. Sur Trop TQ5. Oui. Mais, mais vous avez de la chance, hein. Vraiment. Alors, je vais recevoir une décoration du ministère de la Culture française. Je suis nommé officier des arts et des lettres. Toutes mes félicitations. Merci. Eh c'est la première fois. Je ne suis pas encore. C'est le 28 novembre que ça va se passer. Voilà. Alors, le scope, il est là. Voilà. Personne ne le sait encore. TQ5. TQ5. Voilà. Bravo. Voilà. Je suis venu à Montréal, au Canada, à la fin de la moi, je suis venu en 95 au Canada et j'ai chanté le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance de l'Algérie. Il y avait une, une femme qui avait euh, qui était qui était ici au Canada, s'appelle Ben Mansour Nizikal. Donc c'est, je me rappelle d'elle. Elle m'a elle m'a fait venir. Je suis venu seul. J'ai fait un petit orchestre ici. Et on a fait une grande soirée flahayma, la Khayma, la khayma tenue par un libanais à l'époque était le 5 et avait donc la députée fédérale du Canada et chez nous à l'époque c'était les moments difficiles euh, les, les, les ce qui s'est passé en Algérie chez nous ce qui s'est passé avec le, le, le terrorisme et tout ça donc tous les artistes étaient menacés les, les, les docteurs les, les intellectuels et ainsi de suite et ainsi de suite moi que qu'on a passé ce, ces moments très très tragiques donc j'ai chanté ici. J'ai chanté en 1995. À l'époque, on voulait me donner la nationalité canadienne, on voulait me donner un appartement et un salaire. Parce que, je remercie, je ne me rappelle plus qui c'était la, la responsable, elle dit que vous vous êtes menacés, vous les artistes, il faut rester ici pour avoir la solitude tout de suite. Ce n'était pas facile à l'époque. Bon, donc moi, alors j'ai répondu, j'ai dit « Madame, c'est très gentil et je suis très touché, mais si on va tous partir, on va laisser ce pays à qui ?» C'est malheureux. Donc, euh, moi, je suis retourné. Bon, heureusement, qu'est-ce okay, qui s'est passé. Voilà, donc le Canada. Après, je suis revenu en 2012 au Festival de la, du, de la, de, le festival de la Musique du Monde. Et c'est ce, le patron hein, de la Khaïma, c'est Libanais, c'est lui qui est maintenant le directeur du festival de la, de la musique du monde. Donc je suis revenu en 2012 chanter ici. Et d'ailleurs, c'était l'apothéose, c'était une soirée, une très grande soirée. J'ai vu comment la nostalgie, les nostalgiques, les, les Algériens qui sont là, comment ils pleuraient, comment chacun se rappelait de, 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 de sa famille, de, de son pays, tout ça. Bon. Donc là, j'ai récidivé. Je suis revenu maintenant, cette fois-ci, pour un concert, euh, enfin une, une grande soirée qu'on avait fait. Le, 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 le baron. Complexe le baron. Baron, le baron, voilà. Oui. Le baron royal. Donc on a fait une très belle soirée. Il y avait 300 et quelques personnes. Oui. Hum. Ouais, oui et on a refusé du monde. On a refusé du monde. D'ailleurs, on a refusé une deuxième soirée à la Ménara après le vendredi. Ce vendredi passé, parce que le. Et moi, alors, moi, chante le Malouf. Le Malouf, mais moi, je l'ai révolutionné. Parce que le Malouf, il n'y a que l'Est qui écoute le Malouf. J'ai les Kabides, j'ai les Oranais, j'ai les. J Toute l'Algérie m'écoute. Parce que j'ai introduit le flamenco, le Malouf et j'ai fait des petites chansonnettes qui m'a gêné, « rabbi ya habara beaucoup de, de, de je me suis inspiré sur les gitans à l'époque dans hein, les années 58 donc j'ai fait un, un mélange de, de, de la musique euh, espagnole avec le, le malouf donc euh, moi j'ai un public alhamdoulilah. alhamdoulilah. il me reste une chose c'est de de chanter maintenant kabil parce que alors avec qu'on salue s'il nous regarde... Mon ami Aïd Mngellet, c'est un grand monsieur. lui dire top. L'Algérie a un potentiel vraiment. On vraiment. On a des grands artistes, mais, mais il faut que, il, faut que on, il faut donner la valeur, la vraie valeur à l'artiste. Malheureusement, chez nous, des fois, ça foire. Mais enfin, donc avec Aïd Mngellet, je le good le il faut qu'on fasse Blay Hamami. Je l'aime bien cette chanson. Que toi tu vas me l'écrire toi en Kabyle et moi je vais la chanter en, en fait Kabyle et arabe. Quelle est monsieur une bonne idée Et ça c'est un projet. Ça c'est un autre scoop. Un autre scoop. Un autre scoop. On va voir avec q 5 oh, Oui, q 5 Voilà. Un duo. Bon, les, que vous, a, vous avez dû me faire boire quelque chose là. Comment je dis tout là comme ça là C'est pas normal. Je rigole, je rigole, je rigole. c'est le cœur qui parle. Le coeur. Parce que. Zales, je vais te dire, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne sais pas si euh, tu as, tu as senti que je suis spontané et que je parle et que je parle très franchement et ouvertement comme ça. Moi, quand je suis bien, je sens, c'est le cœur qui, qui parle. C'est pas la, moi, je parle de mon cœur. Et un artiste, il ne parle pas très beau, comme on dit. Un, un, un artiste, s'il ne touche, il se touche pas lui-même, il ne peut pas toucher le, 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 le public. Donc cette chanson-là, je crois qu'on va la faire, Barbechallah, parce qu'on est passé au Palais des Congrès à Paris, on a fait le Zénith, tout ça, il y avait un grand public. Et il m'a dit, c'est dommage. Bon, il m'a dit, Hamdi, tu chantes en français Et il chante en kabyle.

Il y a TQ5. Je, remercie, je vous remercie pour l'invitation. Que cette euh, télévision, Inch'Allah, dure jusqu'à 120 ans, Inch'Allah. inchallah. Et qu'on euh, qu sera toujours là pour, euh, pour euh, montrer, montrer euh, à nos téléspectateurs que TQ5 en même fait beaucoup. Il faut beaucoup. Regardez, je suis à des milliers de kilomètres de. Je viens de Annaba, je suis à Montréal. Vous étiez là pour m'inviter. Et, et aujourd'hui, Hamdi ben Nani a parlé de, de choses qu'il n'a jamais parlé avec les autres télévisions, avec tout le respect que je dois aux autres, à toutes les chaînes. Donc moi, je vous remercie du fond de mon cœur. Et Alès, moi, je vois que tu es un. Allah, un jeune homme plein de vigueur. Euh, spontané aussi, euh, euh, sympathique. Euh, euh, donc, euh, le courant est passé entre nous et je vous remercie et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt. Alors, euh, à mon tour, je vais m'exprimer en français. Je vais vous dire merci. Ça a été un, un agréable moment. J'ai passé de très bons moments avec vous. Ce fut un plaisir de partager ce moment-là. كل وين يكون مثين يغدي ذي تزول دب وسقيا ذم راشي أذوني ميا ثان ميرثي متقمي ذنا تمنيغ أتيليم أتليم ذي الهنا ذن خيرة